Salut Vanille, donc en fait tu m'as demandé un peu le clicker training à quoi ça servait. Et ben je vais t'expliquer ça. En fait, si tu veux, c'est un petit boîtier comme ceci. Et quand tu cliques, voilà, je donne, ça émet un son qui dit c'est la récompense pour Alou. Donc, mais par contre, au début, ce que tu vas faire, c'est que tu cliques sans qu'elle fasse quelque chose. Tu cliques et tu donnes la réponse. Tu cliques et tu donnes la réponse. Tu cliques et tu donnes la réponse. Et à force, quand elle a vraiment compris que le clic, c'était le bruit de la récompense, et tu commences à lui apprendre des choses. Par exemple, je sais pas, le tourne, qu'elle apprend une séance. Lève-toi, Lou. Ok, tu vas. Moi, là, sur le tourne, je l'ai leurré. Donc j'ai fait tourne et j'ai cliqué, je donne la récompense. Et tu vois, après, tu fais tourne. Non, allô, debout, debout. Et tourne. Voilà. Et ça, je l'apprends en une séance. Donc ça comprend très vite, en fait, avec ce clicker. Au début, ma mère, elle voulait pas me croire. Mais quand elle voit ce qu'Alou, elle fait, là, elle me croit. Donc c'est pour ça. Et puis après, t'as différentes techniques. Donc t'as le shopping, t'as le leurre. T'en as une autre, mais je sais plus. Donc de la zone, la cible au sol, la zone, j'utilisais le shopping. Et pour par exemple le assis ou alors le tour, alors le coucher, j'utilise le leurre. Donc voilà. Et vu que j'ai dit la zone, la cible au sol, t'auras une autre vidéo que j'ai faite pour Cookie, donc tu pourras aller la voir. Voilà. Donc, puis si t'as d'autres questions, tu mets un commentaire et j'y répondrai. T'es pas morte. Et donc là je vais aller faire la séance d'agility comme c'était prévu. Hein, elle était morte. Oui.